j'agis comme avocat et puis c'est dans mon ADN pour que ou bien m'a défendu ou bien m'a défendu. Et ça, on a un monde qui dit dans le cadre de ça, et tu défends le régime PHTK que tu as combattu. Écoutez, quand ça dans là, il y a un habitué à ça déjà. Il va vous dire. Parce que il s'arrive. Alors, si on fait expérience ça, ou comme on fait un mouvement, on fait une déclaration, ou alors on market, tout le monde a pris l'appel, un peu le message. Très bien, ça, c'est parce que l'intérêt de nous parler. Absolument. L'intérêt, ou que, par exemple, on doit garantir que dans le début de l'émission, c'est absolument ça, on a de la valeur à ce qu'on parle là, mais pas pour l'institution, qui sont malades, qui fondent avant même de mettre Aristide. C'est même genre avec question ça. Et sur question de loi, si je venais de t'appeler dans le combat contre la corruption globale, ou t'as oui. Alors, Abdallah pour Abdallah, comment les gens les juifs là, et Bagdad de commencer les par exemple. Donc, militaire d'ailleurs, c'est peut-être confortable. Oui, on part de voler, en tout cas, ça veut les voler, entre guillemets, parce que je me connais que. Moi, ça a déjà me dit, il vient malaise là, mais le système est tellement faible, tout le système n'a pas capable de tout. Un seul coup, c'est qu'à commencer un côté. Est-ce que par exemple, vous pensez Jovenel, son est honnête ou bien son corrompu? C'est la question. Joseph Mathieu. Ça ne m'est pas capable de répondre si je pense opinion, mais ça qui est clair. Est-ce que vous pensez Jovenel, t'es en lutte, par exemple, en lutte contre la corruption véritable? Véritable. Je ne peux pas dire totalement pour qui ça. La condition que je viens de prendre pouvoir, je n'ai jamais mené une lutte totale contre la corruption. Pour qui ça? Écoutez, il y a des gens qui débattent le pouvoir. Ce n'est pas l'argent que je viens de prendre pouvoir. Pour l'arriver à faire, qu'on y a la foltage, une grosse adhésion populaire qui peut compenser le manque de l'énergie de prendre. C'est vrai qu'il est logique. Le jour prend pouvoir, déterminer très souvent comment on va le mener pouvoir. Est-ce que ça va affaiblir tout dans le cadre? Évidemment. Affaiblir le cadre de la mener. Et affaiblir mais tout. Et ceux qui avaient en face de Jovenel, c'était pas un jeu. Et il dit que dès le premier jour, comme ça veut dire, le pays fait trois enfermés. Est-ce que ça veut dire qu'on est qui devient président d'un pays à faux fonds pour pas gagner Renzano pour mener le combat contre la corruption? C'est ça le dadoué. Sinon, suivant qui est souillé, ou avant la corde ou bien ou avant la liberté. Au cas où il y a tout. Oui. Au cas où il y a tout. Donc, alors, on n'a pas les batailles contre la corruption. Peut-être on l'a, c'est une barrière de temps. La fondation sur ça seulement, pour me comprendre, ça crée les corruptions. Pour me comprendre que le pays, ça, c'est la gouvernance de la corruption. Et pour me comprendre que pour nous combattre la corruption, ce n'est pas même combattre des groupes de monde comme ça, mais c'est établir des normes. Parce que voilà ce qui arrive, c'est que ces pouvoirs, même en Haïti, qui vivent par ou de la corruption. Je prends un exemple simple. Si nous, toutes là, dans le secteur privé, nous avons fait route tout, et qu'il y a un contrat route à bail, dans le palais national, il y a un contrat, il y a 20-25% pour bail. Et bien, tout le monde a tenté, puis il y a un contrat pour bail 20-25% pour faire. Maintenant, le jour où nous gagnons des bons cap dirigeants pays qui disent c'est qualité. C'est qualité de travail qu'il faut un contrat. Mais n'est que le secteur privé avant. Pour aller renforcer la qualité, le besoin. Donc, le message que vous baillez au côté. Parce que le contrôle, ce n'est pas qui s'implique. Parce que la corruption, il y a créé dans l'homme.